was gone. Someday I know I'll finally make it through the gates. Just have to wait. You whisper to me, there's no maybe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo pour vous montrer donc une collaboration avec les éditions Guy Trédaniel qui m'ont envoyé deux livres. Donc le premier de Jacob Azroual, j'espère que je le prononce bien, Savoir s'aimer. L'amour de soi commence par l'amour des autres. Donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière. Pour s'aimer les uns les autres, il faut s'aimer. Pour s'aimer, il faut aimer les autres. Un couple qui s'aime, pourtant un couple qui se déchire. Des parents qui aiment, pourtant des enfants qui souffrent. Des moyens de communication, pourtant pas de dialogue. Le monde est plein, pourtant le monde est vide. Beaucoup de richesses, beaucoup de pauvres. Beaucoup de gens, pourtant beaucoup de solitude. Pourtant un peu d'amour pourrait diluer et atténuer ses douleurs et ses souffrances. Pourtant. Se faire une erreur de calcul en optant pour l'égoïsme et l'égocentrisme, parce que m'intéresser à l'autre m'apporte, à moi, autant que lui, ça lui apporte, pardon. Dans un monde où les valeurs matérielles ont pris trop de place, une importance non légitime qui peut se révéler dangereuse et incontrôlable. Il apparaît comme nécessaire de revenir à la source, réanoblir la pensée et la réflexion, chercher à vivre de façon plus spirituelle avec le désir de partager, car désirer recevoir pour pouvoir donner est là le sens même de la vie. Porteur de vie et d'harmonie, ce livre inspirant nous montre à quel point l'amour de l'autre et l'amour de soi sont une seule et même chose. Être aimé est nécessaire, aimer est vital. Aimer c'est bien, savoir aimer c'est mieux. Donc les points forts de ce livre, déjà je vais vous montrer l'intérieur, vous voyez, déjà j'adore comment c'est écrit, donc c'est facile à lire, c'est pas écrit petit, et je pense que c'est ça, c'est que le langage il est simple, il est fluide, ce livre en fait permet d'adoucir l'amertume de la vie et de sensibiliser l'amour de soi et l'amour des autres. C'est basé vraiment sur des échanges et des réflexions avec des patients. L'ouvrage apporte également donc un nouvel éclairage sur tout ce qui est l'angoisse et la dépression. Donc c'est Jacob Azroual. Cette personne exerce à Paris en tant que médecin, psychanalyste, psychothérapeute. Donc il est vraiment spécialisé dans l'autodépression du couple et de l'enfant. Il pratique aussi, comme moi je fais, la psychologie positive, donc les pensées positives, et sa philosophie c'est le rapprochement et la solidarité avec les autres mais aussi avec soi, parce que ça on l'oublie. Donc voilà, c'est un livre que je n'ai pas encore lu puisque je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, mais en tous les cas voilà, vous avez aussi le petit marque-page et à l'intérieur voilà, vous avez le sommaire, je vais le mettre comme ça, vous en avez plusieurs hein. Voilà. Donc si ce livre vous intéresse, vous pouvez le retrouver chez les éditions trédaniel.com, vous mettez www.édition-6trédaniel.com et il coûte 20 euros. Allez, je vous le remontre et on passe au suivant. Donc le suivant, alors c'est de Maritz-Zabel Claros-Ferrer, Amour quantique et réalité. Comment rencontrer l'amour de sa vie. Donc dedans, vous avez des méditations, des affirmations et de la visualisation. La visualisation, c'est super important et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas. Donc je vais vous lire. Découvrez le carnet des conversations de Maritz-Zabel Claros-Ferrer. A entendu avec une présence masculine qu'elle a toujours identifiée comme l'amour de sa vie avant de rencontrer véritablement Olivier. Aujourd'hui, son mari. Elle nous offre les détails savoureux et incroyables de son aventure précédant leur rencontre.
en abordant les questionnements liés aux relations amoureuses à travers des conversations imaginaires, l'auteur est propulsé dans une dimension quantique qui transformera sa vie d'une façon extraordinaire. Sa rencontre avec Olivier confirme ses intuitions, visions, voix et certitudes n'étaient pas le fruit d'une pure imagination ou de rêves délirants. Il s'agit d'une histoire vraie qui prouve les pouvoirs et la puissance de la loi d'attraction. Entrer dans une dimension magique et quantique, celle de l'amour universel, et créer l'histoire d'amour de votre futur. À chaque chapitre, un thème est une série d'exercices, excusez-moi, je suis malade, hein, pratique, vous aide à avancer sur le chemin de l'amour irrésistible. En fin d'ouvrage, un lien vers une méditation audio puissante vous connectera à l'amour, afin qu'il puisse se matérialiser dans votre vie. Donc cette personne, elle est née en fait en Amazonie colombienne, où l'existence donc du divin et de l'invisible ne font aucun doute. Elle est créatrice et animatrice du Congrès de l'amour, irrésistible auteur, coach et conférencière internationale. Elle partage avec le public les connaissances et les outils attribués à la physique quantique, qui ont concouru à la concrétisation de son histoire d'amour irrésistible et de tous les miracles qui jalonnent sa vie au quotidien. Vous avez l'adresse du site http, donc pour, à mon avis, c'est pour la méditation. Le livre coûte 17 euros. Vous avez également un petit marque-page. Moi, j'appelle ça un marque-tapage. Vous avez le sommaire. Là, c'est écrit un tout petit peu plus petit, le sommaire, mais après, voilà. Je vais juste vous montrer, par exemple, on parle de la patience, où es-tu, histoire d'amour, je t'attends, attendez, je regarde juste, donc là, elle parle du travail, là, on parle, la caméra, des anges, et ensuite, à côté, non, ça, c'est d'autres pages. Alors, les anges, ça reste là. Donc, elle explique bien tout ce qu'elle a vécu. Elle nous dit bien que les anges étaient dans sa maison, dans chacun de ses projets. Les méditations où elle parle avec Olivier. Donc, voilà. Si jamais ce livre vous intéresse, tout pareil, hein, vous allez chez les éditions Guy Trédaniel. Il est à 17 euros. Donc, c'est « Amour quantique et réalité, comment trouver l'amour de sa vie ». Moi, je l'ai déjà trouvé, hein, l'amour de ma vie. Donc, je vais juste le lire et je partagerai avec les personnes qui n'ont pas trouvé l'amour ce que j'en pense. Et s'il y a des idées et comment faire, je partagerai avec plaisir. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer. Si jamais vous l'avez déjà et que vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est toujours bien de savoir ce que les gens en pensent parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Et voilà, voir si chacun à tester l'expérience, on ne sait jamais. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye !